T'inquiète pas, Louis. Ça va passer tout seul. Nous avons un auditeur en ligne. Allô ? Oui, allô ? Ah, c'est une auditrice. C'est une bonjour. Non, je vous entends très mal. Ben, nous aussi, en fait, mais on va essayer de régler tout ça. Ça va être. C'est à chaque fois qu'on passe au téléphone, c'est pas simple. Comment vous vous appelez ? Pardon, je m'appelle Sandra. Vous vous appelez Sandra. Vous avez quelque chose à dire à Grand Corps Malade ? Oui, j'aurais une question à lui poser, en fait. Eh bien, allez-y. Bonjour Sandra, déjà, vas-y. Je t'écoute, Sandra. Alors, oui, je voudrais savoir, en fait, si un concert était prévu dans les environs. Si un concert est prévu dans les environs, alors oui. Alors j'ai pas la date en tête, mais normalement. On va moi passer... je les ai. Alors. On a le mercredi 9 février à l'espace Valentré à Cahors, le samedi 5 mars à l'espace Robert à Mency, le 11 mars au Pasino Saint-Amand-les-Eaux, le 17 mars à Flers, en forme de Flers, et le 23 mars à la cartonnerie de Reims. Ça, c'est pour les premières dates. Et... Alors sinon dans les environs, parce que je crois que c'est la question de Sandra, j'ai pas la date, mais on va passer à Poissy. Voilà. Alors voilà, ce sera peut-être avant l'été ou juste après, mais c'est sûr que dans l'année 2011 on sera à Poissy. Après la tournée est encore en train de se mettre en place, donc voilà, le mieux c'est d'aller, pour les auditeurs qui seraient intéressés, d'aller sur le site grandcorpsmalade.com, et dès la première page il y a toutes les dates de concerts qui sont annoncés et qui continuent de s'accumuler. On va être au Casino de Paris, donc à Paris, du 28 au 31 mars. Mais voilà, il y a plein d'autres dates qui vont tomber. Ok, bah on a hâte. On a hâte, c'est ça qu'elle a dit, oui. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi. Merci, Sandra. Alors, on va écouter maintenant Éducation nationale. Oh. Mobilisation la semaine prochaine, je crois, c'est pour ça. Donc, s'il faut autant de bruit que les CRS la semaine dernière et qu'ils ont gain de cause, ce serait bien. Voilà, à suivre. Alors, le personnage d'Éducation nationale, hein, s'appelle Moussa. Ça commence comme ça. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Est-ce qu'il y a quand même un côté autobiographique ? Non, pas autobiographique, parce que je me replonge pas au moment où j'avais 10 ans, mais c'est un Moussa que j'ai rencontré, même s'il s'appelait pas forcément Moussa, mais j'en ai rencontré plein des Moussa 10 ans en CM2 à Épinay. Voilà, j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture dans des écoles primaires ou dans des collèges de banlieue, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce texte, puisque le texte s'appelle Éducation nationale, et je me suis rendu compte que l'éducation, elle n'était pas si nationale que ça, parce que le terme voudrait dire que c'est la même éducation partout sur le territoire. Or, malheureusement, on s'aperçoit quand même très rapidement qu'il y a une éducation à 2, voire à 3 ou 4 vitesses, et que selon où tu habites, tu n'as pas les mêmes chances. Donc la fameuse égalité des chances dont on parle dans les ministères, elle n'a pas forcément lieu dans l'éducation nationale. Donc voilà, là je parle de Moussa qui est dans une petite école en banlieue parisienne dans le 93, et qui n'a pas les mêmes moyens que d'autres écoles parisiennes. Bon, on va s'écouter ça tout de suite, Éducation nationale par Grand Corps Malade sur LFM. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs, dans chaque salle y a plein de bruit, moi dans ma classe on est 29. Y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés, je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée, ce que je préfère c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au
contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Y a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Ça, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac. C'était Éducation nationale de Grand Corps Malade à l'instant sur LFM. Grand Corps Malade qui est avec nous depuis 14h et qui sera avec nous jusqu'à 15h45. Comment on arrive à devenir une star et arriver à rester modeste en même temps? Je sais pas s'il y a une formule secrète pour une recette qui marche à chaque fois. Non, moi je pense que c'est important justement de garder les pieds sur terre et notamment de... Ça a peut-être été important pour moi de ne pas déménager par exemple. Voilà, quand je suis pas en tournée ou quand je suis pas en promo sur les plateaux de télé, eh ben, c'est important de rester sur mes bases. Voilà, j'habite à Saint-Denis, je suis resté dans le même quartier avec les mêmes potes, les mêmes habitudes. Voilà, c'est des petites choses qui fait que voilà, quand t'es pas en tournée, parce qu'en tournée t'es choyé, voilà, c'est toi qui montes sur scène faire le taf pendant 1h45, donc du coup t'es dans de bonnes conditions, on prend soin de toi. Et ben voilà, quand t'es pas en tournée, ben personne prend soin de toi particulièrement parce que t'es comme tout le monde, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et puis du coup, je pense que ça sert à garder une inspiration à peu près valable, quoi, si tu bascules dans un monde où qui t'appartient pas forcément, où tu te détaches un peu de la vraie vie. Je pense que t'as plus rien à raconter. Moi, si je continue à faire des ateliers slam dans des prisons, dans des maisons de retraite, dans des écoles, c'est parce que voilà, j'ai besoin de ce genre de rencontres avec des vrais gens, quoi. Et du coup, ça permet de rester connecté à la réalité, quoi. Alors, on va parler un petit peu d'un autre volet de ta carrière, c'est le doublage. Parce que tu as doublé le personnage de Rictus dans le dernier volet de Toy Story. Alors, je voulais juste qu'on parle, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont peu connus et dont le métier principal, c'est précisément le doublage de films ou de séries télé étrangères et qui reprochent aux distributeurs français de faire appel pour leur casting vocal à des stars dont ça n'est pas le métier principal. Je vois aussi que récemment, on a eu l'exemple de Charles Aznavour qui a doublé en 2009 le personnage de Carl dans le dessin animé là-haut de Pixar. Toi, quel est ton sentiment vis-à-vis de cette réaction ou de cette mode, diront certains, qui se fait au détriment de comédiens professionnels? Ouais, je peux comprendre. Après, moi, c'est tu parlais d'un autre volet de ma carrière, c'est beaucoup dire. Hein. J'ai slamé à peu près 100 000 heures dans ma vie, mais par contre, j'ai doublé une heure dans ma vie. Donc, je sais pas si on peut parler de... voilà. Et puis, c'est une voix atypique, c'est normal qu'on puisse parler de ton carrière. Justement, moi, mon personnage était un peu particulier, c'est que c'était un espèce de guest, on va dire. Moi, j'apparais dans le film 4 minutes, quoi. Je suis pas du tout récurrent, et c'est une espèce de clown triste qui, d'un seul coup, raconte une histoire. Il y a un flashback. Donc voilà, là, ils avaient besoin d'une voix peut-être un peu particulière, peut-être reconnaissable. Après, bien sûr, évidemment, les distributeurs jouent le jeu de gens connus pour essayer de booster leurs entrées. Et je comprends d'ailleurs la colère des comédiens dont le métier c'est le doublage. Ouais, je comprends bien sûr. Après, moi, je sais même pas si j'en referais. Moi, c'était vraiment bon. C'est une petite proposition. Mais c'était intéressant et sympa du coup comme expérience. Ouais, poser ta voix super et tout. Sympa. Non, par contre, c'était super.
super marrant à faire. Ouais. Tu sais, on le voit souvent à la télé, essayer de doubler au moment où la phrase qui défile passe derrière le petit trait rouge. Bon, bah voilà, j'ai fait ça, mais c'était très marrant à faire. On va passer. Moi, j'ai la voix malade. T'étouffe pas. un petit portrait chinois. Aïe. Oh là. Parce qu'il est 15h et qu'on va conclure cette première partie. Non, mais. Ah, c'est bon, faire les gros yeux, t'inquiète pas, c'est toujours tout en humour. Vas-y, alors, je t'écoute. Si tu étais, trois petits points, un personnage de Shakespeare. Bon, bah là, je vais pas aller chercher très loin. On va dire le Roméo de ma chanson. Même si moi, pour le coup, je suis pas musulman, le Roméo de ma chanson est musulman. Mais j'aimerais représenter ce personnage qui va un peu au-delà des différences qu'on leur impose pour montrer que voilà, pour montrer qu'on peut être plus fort que toutes ces divisions qu'on nous impose. Si tu étais une parole du bout du monde. Une parole du bout du monde. Eh ben, je serais le mot partage, mais dans toutes les langues. Ça pourrait, voilà, ça pourrait faire une belle farandole de mots. Un marchand sur le marché de samedi. Un marchand de choucroute halal. Je pense que. Ah ouais, là c'est bon, ouais, on est d'accord. Non, mais c'est marrant parce que dans le texte samedi, je parlais de Carrefour où il y avait de la choucroute halal. Et j'ai écrit ce texte en 2003 et le halal n'était pas encore autant dans l'air du temps. Et c'est vrai que 7 ans plus tard, c'est devenu un vrai marché qui fonctionne très bien. Si tu étais une chicha. Ah bah je serais une chicha rue Monsieur le Prince dans le quartier vers Odéon. Voilà, j'ai un pote qui tient une chicha et c'est vrai que c'est un petit repère tranquille où on va souvent avec les potes quoi. Et le parfum? Pomme, raisin. C'était pas ça la question. D'accord. C'était vraiment le lieu, mais voilà, non, j'aime bien. Ouais, une petite chicha pomme avec un thé à la menthe. Voilà, ça, normal. Ça quoi. Marche toujours. Si tu étais un verbe. Un verbe, j'ai parlé de partage tout à l'heure, alors on va essayer de changer de mot, mais on va rester dans le même truc, je veux dire échanger. C'est important, voilà.